Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration anticipée de Noël en ce troisième dimanche de l'Avent où nous voulons célébrer la grâce et la miséricorde, la justice et la compassion de notre Dieu comme il est écrit dans le psaume 116. L'Éternel fait grâce et il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. C'est le Dieu que nous venons rencontrer, c'est le Dieu qui se présente. C'est le Dieu qui nous renouvelle et qui nous donne ce jour nouveau pour qu'en Christ nous vivions pour l'éternité. Je vous propose de commencer notre culte en chantant le cantique « Aux bonnes nouvelles » le 31-14. Nous sommes ici pour préparer cette route à notre Seigneur, préparer cette rencontre avec lui, cette nouvelle vie qu'il nous propose pour marcher avec lui. Et nous allons commencer notre culte en invoquant son nom, le nom de ce Dieu de grâce, de justice et de compassion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'introïde pour ce dimanche, comme vous voyez bien, il n'est pas inscrit sur le... Nous allons le chanter. C'est le cantique « Christ est roi, notre Seigneur est roi ». C'est le roi qui vient, le roi qui vient régner avec sa grâce et sa miséricorde. C'est le cantique 41-30, c'est notre introïde pour ce dimanche. Il est roi des rois, maintenant.
Nous lisons dans l'évangile de Luc et nous allons l'entendre tout à l'heure. Jean-Baptiste dit: déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. C'est un appel à la repentance, un appel à la réflexion et un appel à regarder notre arbre et voir quels sont les fruits qu'on est en train de produire. Et si on regarde notre arbre avec sincérité et selon ce qui nous est indiqué dans la parole de Dieu, nos fruits ne sont pas bons. Nos fruits ne sont pas ce que le maître espère. Et à cause de ce manque de fruits ou de ces mauvais fruits, l'arbre devrait être coupé. Mais nous avons un Dieu de miséricorde et de grâce qui est venu rétablir la paix et qui est venu pour accorder son pardon et pour sauver cet arbre, même s'il ne donnait pas de bons fruits, pour qu'en Christ, il puisse donner des nouveaux fruits. Nous allons donc nous présenter en repentance et avec foi en notre Seigneur Jésus dans la prière pour présenter nos péchés et demander à notre Dieu encore une fois qu'il ait pitié de nous. Je vous invite à vous lever. La prière sera sur l'écran. Pour les pensées de notre cœur, pour les paroles de nos lèvres, pour les gestes de nos mains, qui doivent honorer et glorifier parmi les hommes, mais qui ne peuvent subsister devant ton trône, et qui nous accusent et nous condamnent, pardonne, Seigneur. Pour nos actions prétendues belles, mais qui ne sont que une linge sale, comme l'affirme la Bible, pardonne, Seigneur. Pour nos péchés qui sont comme des feuilles mortes, quand porte le tourbillon d'automne, pardon, Seigneur. Pour le témoignage de foi et d'amour que tu nous as confié et que notre paresse a négligé, pardon, Seigneur. Dieu notre Père, plus jamais nous ne voulons aller loin de toi. Pardonne-nous tous nos péchés pour l'amour de Jésus, notre Rédempteur. Fais-nous grâce et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Entendrons dans la lecture du prophète Sophonie aujourd'hui aussi. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a livré son Fils Jésus-Christ justement pour détourner de nous le jugement. C'est lui qui a pris le jugement sur lui, c'est lui qui a payé le prix de notre culpabilité, c'est lui qui nous a rachetés pour notre Dieu. Et c'est grâce à lui que nous vivons dans la réconciliation. Ce Dieu Tout-Puissant qui, dans sa miséricorde, a livré Jésus, soit celui aussi qu'aujourd'hui fortifie votre foi. Moi, en tant que serviteur appelé et ordonné du Christ, je vous annonce son pardon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite la chorale à venir et prier cette collecte du jour, Emmanuel.
Les lectures bibliques pour aujourd'hui, notre frère pasteur Gilles Austin nous dirigera dans ces lectures. Et les jeunes se préparent pour leur scénette. La première lecture dans l'Ancien Testament est tirée donc du prophète Sophonie, au chapitre 3, les versets 14 à 17. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ici prend fin cette lecture de l'Ancien Testament. De l'épître nous est proposée dans l'épître de Paul aux Philippiens à partir du chapitre 4, quatrième verset.
réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ici prend fin cette lecture de l'Épître du jour. Amen. Alléluia. Lecture de l'Évangile est tirée de l'Évangile de Luc au chapitre 3 à partir du 7e verset. Jean-Baptiste disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans la tente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. » Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ici prend fin cette lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pour la confession de notre foi pour ce dimanche, nous allons voir et écouter ce que nos jeunes nous ont préparé avec cette scénette à propos du secret. Tu tiens de bien, tu tiens de beaux accomplissements, Michel. Tu sais bien que pour nous, le soir et le matin sont des réalités qui ne nous concernent pas vraiment.
que d'habitude. Oh, c'est rien, c'est de l'humour. Tu n'as aucun sens de l'humour. Ce n'est pas dans ta nature ni dans la mienne. Pour que tu puisses être comique, il faudrait que tu pratiques le second degré. Or, cela nous est impossible du fait même de ce que nous sommes. Vas-tu enfin m'expliquer tes paroles inappropriées? Je ne suis pas fort. Je suppose qu'à force de veiller sur les humains, tu t'en as que je me mets à parler comme ça. Je crois qu'il m'influence. Ton argument a du sens. Toutefois, tu t'occupes des hommes depuis des millénaires. Pourquoi maintenant? Pourquoi la fréquentation des hommes t'affecte-t-elle plus que d'habitude? Est-ce que c'est l'heure? Oui, mais tu le sais déjà, parce que c'est toi qui l'as annoncé aux parents. Il est vrai que j'ai servi de messager, mais je ne suis pas sûre de raconter le sens profond de ce qui se prépare. En tout cas, c'est pour maintenant. La tête est-elle faite? Comment va-t-elle? Aussi mal que d'habitude. Quelques êtres humains isolés essayent de faire ce qui est bien, mais la majorité d'entre eux utilisent toute leur énergie à défense égoïste. Et comme d'habitude, c'est les enfants et les plus démunis qui souffrent. Depuis la chute du jardin d'Éden, il nous est vraiment difficile de voir en quoi ces créatures étaient faites à l'image de Dieu. Et pourtant, rien ne peut changer ce que le Créateur a décidé depuis le commencement. En tout cas, c'est pour maintenant. On va enfin découvrir le secret le plus fascinant de toute la création, le plan de Dieu pour vaincre définitivement les forces du mal. Bonne idée. Regarde, les humains arrivent. C'est quoi leur nom? La dame s'appelle Marie et elle est accompagnée de Joseph. Ils vont à Bethléem pour se faire recenser. Et Marie va même avoir un bébé qui est aussi le fils de Dieu. Alors, comme ça, c'est ce parfum qui va sauver l'humanité du mal. Qui va lui faire? Alors là, je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. Je suppose que ça n'a rien à voir avec la dernière tentative pour l'humanité du mal. Tu parles du déluge? Oui, parce que tous les humains ont été détruits parce qu'ils étaient trop mauvais. Ah, mais ça n'a rien à voir. La dernière fois, ceux Noé et sa femme ont été sauvés. Là, il s'agit d'un plan de plus grande envergure. J'ai hâte de voir ça. La santé nuit de lumière. Thank you.
Absolument. Ouais. Ça y est, l'enfant est né. Dieu s'est fait homme. Il a été adoré par les gens les plus humbles comme les bergers. Même les anges ont rendu gloire. Attendons quelques années pour voir ce que cet enfant va devenir. Bonne idée. Moi, j'aime bien Noël, c'est vraiment une fête super. On est en quelle année? Attends que je vous le dis. On est en 2021. Waouh! Notre dernière discussion, elle est pour nous remontante. De l'eau à plus sous les coups, comme disent les humains. Oui, mais de toute façon, nous, on est des anges. Un jour, 2000 ans, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour eux, c'est une sacrée différence. J'aimerais bien savoir ce qu'il reste de l'événement extraordinaire auquel nous avons assisté la dernière fois que nous nous sommes vus. Regardons pour voir où ils s'en sont. Oui, le vrai, c'est que quand on voit la monde de la fête disparue, c'est vrai, pas le monde de prendre un monde. Personne ne l'a fait à l'époque. Tu te souviens quand nous avons essayé de rester toute la nuit? Oh oui, je me rappelle, on s'était retrouvés le lendemain matin dans nos lits. On s'était endormis sur le carrelage et nos parents nous avaient portés jusque dans nos chambres. En fait, j'aimerais bien que Noël soit plus que des cadeaux. Pour moi, que ce soit plus un bon et très long repas. C'est vrai, c'est important de trouver un cadeau qui plaise à chacun. L'an dernier, j'ai donné une leçon. Si je comprends bien, personne ne vous a jamais expliqué le sens de Noël. C'est une histoire bien plus extraordinaire qu'un homme habillé en rouge qui offre des cadeaux et se déplace en traîneau volant. Tu parles du centre commercial qui se bat à 50% après l'antidépendance. Mais non, je parle des gens qui se tient et qui acceptent de rouler. Descendre sur terre sans prendre un petit enfant. Et quand il est devenu grand, il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être pardonnés pour toutes les grandes ou les petites mauvaises choses que nous avons faites. Et ça veut dire quoi pour nous? Pourquoi un Dieu tout puissant accepterait-il de devenir un être humanité? Parce que Dieu nous aime, et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Pour citer un texte connu, on peut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il suffit de croire en Jésus pour vivre éternellement? Comme pour le Père Noël? Non, je ne pense pas que ce soit un Père Noël. Exact. Celui qui croit en Jésus vivra éternellement dans un monde merveilleux avec Dieu. C'est ça la vraie magie de Noël. Et toi, tu as peur qu'il y ait 2000 ans, tu vas croire en ton peuple. Pourquoi qu'il se souvient encore? Je l'avais. Ta peur, je suis juste émerveillée par la magnificence du plan de Dieu. Quand il est descendu sur la terre sous forme d'un enfant, on ne savait pas ce qu'il allait faire. Et quand par amour il a accepté de mourir sur la croix, nous avons enfin découvert le plan secret de Dieu pour sauver les hommes. Et j'ai été éblouie par tant d'amour, tant de bonté et tant de grandeur. Gloire à Dieu pour nous avoir montré la magnificence de son plan. Amen. J'invite la chorale à chanter. Vous pouvez partir. D'en haut, au berceau. Thank you.
Je veux juste remercier pour les paroles de cette chanson les quatre jeunes qui ont participé du week-end de la Toussaint chez nous, et une des activités c'était écrire un chant pour Noël. Les deux autres vous les entendrez le 24. Ce chant a été écrit par les paroles non Sophie Fordman, Clémence Fordman, Noan Browning et Romain Besson. Merci. Prions notre Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as dévoilé ce secret de ton amour et de ta grâce, de ta miséricorde et de ta compassion. Tu nous as révélé ce mystère et en Jésus-Christ, tu nous accordes la foi, le pardon et la vie éternelle. Garde-nous par ta parole pour que cette paix inonde notre esprit et notre âme et qu'on puisse vivre dans la joie que tu nous apportes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Si je vous parle de Delta et Omicron, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez pas forcément à deux lettres de l'alphabet grec. Non, mais ce sont des lettres de l'alphabet grec. Depuis le 18 décembre de l'année dernière, l'OMS a décidé d'identifier les variants du coronavirus avec des lettres de l'alphabet grec pour que ce soit plus facile à la population qui ne connaît pas les termes scientifiques pour les identifier. Le variant Delta est celui qui sévit de nos jours, non? Et le variant Omicron, c'est celui qui menace, qui apparaît dans quelques schémas. Mais à part du Delta et de l'Omicron, je veux vous parler de deux autres lettres de l'alphabet grec. Et elles ont un sens beaucoup plus grand, un sens majeur. L'alpha et l'oméga. Nous pouvons lire dans Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. »
Jésus-Christ se présente comme étant l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'est la dernière lettre de cette même alphabet. Quand Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il dit qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Ou comme il le dit dans Apocalypse chapitre 22, il est le commencement et la fin. Jésus-Christ est celui qui était, celui qui est et celui qui sera pour toujours. Il est l'alpha, le début, le commencement, il est le créateur, il est l'auteur de la vie, il est le tout-puissant, celui qui nous a créés et qui a créé toutes choses par sa parole puissante. L'alpha, celui qui est depuis le commencement, nous a manifesté sa grâce. La grâce, on peut la définir comme la faveur imméritée de Dieu. Et la création est une initiative de Dieu. C'est une initiative qui est née dans son cœur. L'être humain n'existait pas, il n'existait que dans les pensées de Dieu, et il n'y avait dans l'être humain aucun mérite, mais il n'y avait pas non plus manque de mérite. Le fait d'exister est une faveur de Dieu, et une faveur qui n'a jamais dépendu d'une vertu qu'il puisse y avoir dans l'être humain. L'alpha est celui qui nous a manifesté aussi sa miséricorde. Et par miséricorde, une des définitions, c'est l'action de ne pas punir celui qui mérite d'être puni. Suite à la chute, Dieu choisit de montrer sa miséricorde quand il n'applique pas la sentence qu'il devrait appliquer, cette sentence de mort, sur l'être humain désobéissant. Le fait que l'être humain continue d'exister est une révélation de la miséricorde de Dieu. Mais l'action de l'alpha et l'oméga continue dans l'histoire de l'humanité. Jean-Baptiste dit de lui, « Il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. » L'alpha et l'oméga est le Dieu saint. L'alpha et l'oméga est celui qui est au-delà de nous, celui qui est supérieur à nous. Et tout comme Jean-Baptiste, nous ne sommes pas dignes d'être dans sa présence. Notre péché nous rend indignes face à lui. Mais Jean dit que l'alpha et l'oméga vient. Il vient quand même. Il vient pour sauver l'humanité perdue. Et c'est là encore un geste de la grâce de Dieu. L'humanité ne mérite pas d'être sauvée. Il n'y a rien qui oblige Dieu à agir en sa faveur. La présence de Jésus sur terre, sa venue, celle que nous célébrons tous les ans en célébrant Noël, cette venue est une faveur imméritée. La venue du Christ, Noël, est une grâce. Et tout ce que fera l'alpha et l'oméga sur terre provient de sa miséricorde. Il prend le chemin de la croix, il se livre à notre place afin de recevoir sur lui notre sentence de mort. Par l'œuvre du Christ, l'être humain a été délivré d'une punition qu'il méritait. Sur la croix, nous observons justement toute cette splendeur de la miséricorde de Dieu. L'alpha et l'oméga est celui qui baptise véritablement, comme dit Jean-Baptiste. Il est celui qui nous fait don du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Il est celui qui nous accorde une nouvelle nature en nous unissant à lui par le baptême, et une nouvelle nature qui fait que ce soit possible qu'on vive avec lui pour l'éternité. Le baptême est une grâce, le baptême est une faveur imméritée, le baptême est un don de Dieu. Et l'alpha et l'oméga est celui qui juge, il est le juge sur toute l'humanité. Et Jean-Baptiste prend là l'image de la récolte, il récolte le blé et il brûle la paille. Jésus-Christ est l'oméga, celui qui a le dernier mot. Il est le juge suprême,
et il prononcera sa sentence sur les œuvres de l'humanité. Mais l'alpha et l'oméga promet de montrer sa miséricorde. Le jour du jugement dernier, il montrera sa miséricorde. Et celui qui met sa confiance en son œuvre sur la croix, celui qui met sa confiance en sa victoire par la résurrection, celui qui met sa foi en Jésus sera traité avec miséricorde et échappera du jugement divin. Le croyant mérite l'enfer, mais il en est délivré par la miséricorde de Dieu et par la foi en l'œuvre du Sauveur. Le variant Delta du coronavirus, c'est celui qui sévit de nos jours et qui provoque d'innombrables soucis dans notre quotidien. Le Delta représente aujourd'hui, dans cette méditation, les adversités, ce que nous devons affronter. Le Delta, c'est nos maladies. Le Delta, c'est nos souffrances. Le Delta, c'est nos peurs, c'est nos tristesses, c'est notre malheur. Le Delta, c'est celui qui semble être venu pour gâcher nos vies. Le grand problème de l'humanité, c'est que nous nous focalisons trop souvent sur les aspects négatifs. On voit ce qui est mauvais et, comme on dit, on se noie dans un verre d'eau. Quand on est face à l'adversité, on se souvient trop peu des bonnes choses et des bénédictions que nous avons reçues de notre Dieu. Parfois, on donne une ampleur démesurée à nos malheurs et on ne voit que ça. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur le delta. Les souffrances de la vie sont inévitables. Il y en aura toujours. On peut rester dans l'amertume et se décourager face au delta de notre vie, ou on peut reprendre courage et être dans la joie grâce à l'alpha et l'oméga. Dieu nous dit à travers le prophète Sophonie, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un héros qui sauve. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur le delta. Parce que l'alpha et l'oméga est au milieu de nous. Il est le commencement et il est la fin, mais il est aussi le temps présent. La grâce et la miséricorde qu'il nous a montrées au commencement dans la création et après la chute, cette même grâce, cette même miséricorde continue d'être au jour, elle continue de nous accompagner. Aujourd'hui, la grâce et la miséricorde que Dieu nous a promis pour la fin, le jour du jugement dernier, de nous délivrer de l'enfer, c'est la même grâce qui régit le cours de notre histoire. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, est au milieu de nous et il nous soutient face aux divers deltas, face aux adversités que nous devons affronter. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur le delta. Parce que l'alpha et l'oméga est aussi un héros qui nous sauve. Par sa grâce, il nous fait la faveur de se rendre présent et de nous bénir. Par sa miséricorde, il nous délivre face à chaque adversité. Et il n'y a pas de delta qui puisse s'opposer à l'alpha et l'oméga. Nous devons nous focaliser sur lui et garder la foi, foi en sa grâce, en sa miséricorde, ses dons qu'il nous a promis dans la nouvelle alliance qu'il a établie par son sang répandu sur la croix. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur le delta, parce que l'alpha et l'oméga nous assurent la délivrance de la peur. Si on se focalise sur les deltas, on sera paralysé
Si on se focalise sur la victoire de l'alpha et l'oméga, nous n'avons rien à craindre. Sa promesse nous donne l'assurance et l'espérance de vivre cette délivrance de la peur. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur le delta, parce que l'alpha et l'oméga est celui qui nous réconforte et celui qui nous encourage. C'est lui qui nous dit de ne pas baisser les bras. Les deltas paraissent insurmontables, mais l'alpha et l'oméga est un victorieux sauveur. Il nous assure cette victoire finale et il nous démontre qu'il n'y a pas de raison de baisser les bras, il n'y a aucune raison d'abandonner la lutte. Avec lui et par sa grâce et par sa miséricorde, nous sommes déjà plus que vainqueurs et par avance. Donc ne baissons pas les bras face au delta. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et un peu moins sur le delta, parce que l'alpha et l'oméga nous donnent une nouvelle perspective. Et grâce à lui, nous n'avons plus à redouter le malheur. L'alpha et l'oméga nous accordent la délivrance de nos peurs, j'ai dit tout à l'heure, mais nous accordent aussi une vision complète de ce qui se passe autour de nous. Nous serons délivrés du malheur définitivement lorsque nous accéderons à la gloire de Dieu et que nous y habiterons pour l'éternité. Et en ce monde, le malheur pourra encore apparaître. Le malheur sera à l'ordre du jour. Mais l'alpha et l'oméga est de notre côté. Et il n'y a pas de raison de le redouter. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur le delta, parce que l'alpha et l'oméga nous offrent la joie profonde. Une joie au milieu des deltas. Une joie qui ne s'évanouit pas face à l'adversité, une joie qui est éternelle, une joie qui est en rapport avec le salut, avec l'œuvre de Dieu, la joie de la réconciliation. Mais il n'y a pas que le delta autour de nous. Il y a aussi la menace d'Omicron. Le variant Omicron du coronavirus se présente comme le nouveau danger, celui devant lequel on ne sait pas si les vaccins vont fonctionner ou pas, non ? Je laisse ça aux journalistes et aux scientifiques. Mais Omicron, pour nous aujourd'hui, représente l'inquiétude et l'incertitude. Omicron représente les menaces à notre stabilité. C'est celui qui représente, ou celui qui se présente, pardon, encore, comme celui qui vient gâcher notre vie. Et encore une fois, Omicron devient une inquiétude et une incertitude parce qu'on se focalise trop sur les choses négatives. On a tendance à prévoir un futur houleux et ténébreux au lieu de penser que notre futur sera clair et lumineux. Dieu nous a dit à travers l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur Omicron. Parce que Omicron va nous mener à nous inquiéter, tandis que l'alpha et l'oméga nous invitent à vivre libres de cette inquiétude. Focaliser sur l'alpha et l'oméga en se remettant à celui qui est le commencement et la fin, celui qui est dans le présent, celui qui est le Seigneur du futur, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il est celui qui dirige, il est celui qui nous assure par son alliance, qui nous accordera sa grâce et sa miséricorde quotidiennement. Il agit en notre faveur et il le fait sans que nous le méritions. Il nous délivre du mal, de ce mal que l'on mérite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter avec l'alpha et l'oméga. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et un peu moins sur Omicron, parce que l'alpha et l'oméga est accessible. Il nous invite à la prière,
Il nous invite à lui soumettre nos inquiétudes et à lui faire confiance. Il est celui qui comprend tout et qui, dans sa sagesse, gouverne absolument tout. Il est à l'écoute et en plus, il nous fait cette promesse de nous exaucer quand nous prions. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et moins sur Omicron, parce que l'alpha et l'oméga est celui qui se charge de garder notre cœur et de garder notre esprit en lui. Il est celui qui nous renouvelle quotidiennement, il est celui qui nous fortifie par le sacrement, il est celui qui promet sa bienveillance, il est celui qui promet sa grâce et sa miséricorde. Nous avons besoin de nous focaliser plus sur l'alpha et l'oméga et un peu moins sur Omicron, parce que il n'y a que l'alpha et l'oméga pour nous accorder la paix. La paix véritable, la paix profonde, la paix qui demeure au milieu des conflits, au milieu des omicrons, au milieu des inquiétudes. Une paix qui nous a été donnée et qui a été scellée par le sang du Christ sur la croix. Une paix qui nous est renouvelée dans le sacrement. Une paix qui ne dépend pas des circonstances de notre quotidien, des circonstances extérieures. Sinon, c'est une paix qui est fondée sur l'œuvre de grâce et de miséricorde du Christ. Donc, en ce temps de l'Avent, en ce temps de l'approche de Noël, restons focalisés sur l'alpha et sur l'oméga. Un peu moins sur le delta et sur l'omicron. Chaque fois que vous entendrez parler de delta et omicron à la radio ou au journal télévisé, souvenez-vous que vous comptez avec un alpha et oméga. Face à chaque adversité, souvenez-vous que vous comptez avec l'alpha et l'oméga. Face aux inquiétudes et aux menaces de votre quotidien, souvenez-vous que vous comptez avec l'alpha et l'oméga. Souvenez-vous que l'alpha et l'oméga vous accordent son secours, il vous accorde sa grâce, il vous accorde sa miséricorde, et surtout, c'est lui qui met en votre intérieur la joie et la paix. Une joie et une paix que personne ni rien ne pourra détruire. Et justement, que cette paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde votre cœur et garde vos pensées en Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le grand vainqueur face aux delta et aux omicrons, afin que vous puissiez vivre cette joie véritable, cette joie profonde de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à conclure cette méditation par la prière du cantique Soleil de justice. C'est le 31-27.
prions notre Dieu. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui es Dieu de grâce et de miséricorde, qui nous accorde ces faveurs imméritées et qui nous délivre d'une punition méritée. Ton peuple aujourd'hui te loue, te bénit, car tu nous as accordé cette grâce et cette miséricorde en Jésus-Christ et par son œuvre rédemptrice. Seigneur, garde-nous dans la foi face aux menaces, face aux inquiétudes et face aux adversités, que nous puissions garder notre foi en ce Seigneur Jésus qui est le commencement et la fin, celui qui a toute autorité. Seigneur, dans ta miséricorde. Père Céleste, nous prions pour ton Église, pour que tu la gardes fidèle à ta parole et pour que tu la bénisses par ta parole, pour que nous puissions travailler dans cette œuvre que tu nous as confiée de proclamer le message de ton évangile à toute créature, afin que tous soient délivrés par ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, dans ta miséricorde, nous prions, Père Céleste, pour ton Église en France et en particulier pour notre Église évangélique luthérienne, pour que tu soulèves des vocations au ministère pastoral, pour que tu appelles tes enfants, ceux que tu as choisis pour ce ministère, pour que ta parole soit prêchée, pour que les sacrements soient administrés et que ton peuple soit fortifié. Seigneur, dans ta miséricorde. Et nous prions aujourd'hui aussi, Seigneur, pour ton Église au Nigeria, une Église qui est persécutée, des frères et sœurs qui doivent affronter bien plus que nous et qui doivent même affronter les menaces de mort. Seigneur, soutiens ton Église au Nigeria, soutiens tes enfants, soutiens la prédication de ta parole et que ta grâce et ta miséricorde soient suffisantes pour eux. Seigneur, dans ta miséricorde. Père Céleste, nous prions pour notre pays, nous prions comme tu nous le demandes pour nos autorités, nous te demandons de leur accorder la repentance, la foi et la sagesse pour conduire ce peuple. Nous prions pour la situation de la pandémie, pour que tu agisses selon ta volonté, que tu agisses selon ta sagesse et ta puissance. Nous te supplions d'y mettre fin. Seigneur, dans ta miséricorde. Nous prions, Père, pour les malades et les souffrants, tous ceux qui sont que nous connaissons et qui traversent de mauvais moments, mais en particulier aujourd'hui, nous prions pour Gisèle qui a été opérée de ses yeux pour que tu la bénisses et tu bénisses sa récupération, de même que tu bénisses la récupération de Jean-Sienne qui a été aussi opérée il y a quelques semaines. Aujourd'hui en particulier, nous prions pour Théo pour que tu poses ta main paternelle et puissante sur lui pour que tu le soignes, tu le guérisses, pour que tu lui accordes la délivrance et pour que tu accordes aussi la paix à ses parents. Seigneur, nous confions dans ta grâce, nous confions dans ta bonté, nous confions en ce que tu nous as promis. Seigneur, dans ta miséricorde. Et nous voulons prier, Seigneur, aussi pour ton serviteur à la retraite, Pierre Austin. Il est en train de passer par une dure épreuve, lui, son épouse et ses enfants. Accorde-leur aussi ta grâce et ta bonté. Sois avec eux un Père bienveillant et que ta volonté soit faite en lui et en toute la famille. Dans ta miséricorde, Seigneur, nous prions pour ces choses et nous prions pour tout ce qu'il y a dans nos cœurs, pour tout ce que nous gardons à l'esprit, pour toutes les personnes que nous connaissons, pour toutes les situations que nous devons affronter. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons présenter nos offrandes à celui qui est l'alpha et l'oméga,
celui qui a tout donné pour notre salut et pour nous soutenir chaque jour. J'ai oublié là-bas. Frères et sœurs, nous nous approchons du sacrement de notre Seigneur avec foi et avec espérance, en faisant confiance aux promesses de notre Sauveur de nous donner en ce simple pain et en ce simple vin son corps et son sang pour le pardon, pour notre vie, pour notre salut. Prions notre Dieu. Seigneur, il est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et qui a obtenu ta grâce pour nous à jamais. C'est pourquoi avec les anges et les archanges et avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux, et à jamais nous te louons en chantant. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, il dînait avec ses disciples et il prit le pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna
à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Il prit la coupe aussi après avoir dîné, et ayant rendu grâce, il la leur donna en leur disant « Prenez et buvez-en tous, cette coupe c'est la nouvelle alliance qui est faite en mon sang, sang qui est répandu pour le pardon de tous vos péchés, faites ceci toutes les fois que vous boirez en souvenir de moi. » La table du Seigneur est servie, il vient à notre rencontre pour nous bénir, pour nous soutenir, pour nous accorder sa grâce, cette faveur imméritée, sa miséricorde, nous livrer du châtiment que l'on mérite et nous donner la vie éternelle. Venez à la table du Seigneur. Et mange, c'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus. Prends et bois, c'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Qui était répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Que cette participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus te garde dans la foi et te garde dans l'assurance du pardon de tous tes péchés, te garde dans l'assurance de son amour et de sa grâce. Il est à tes côtés, il est celui qui te soutient et celui qui t'accorde une vie de paix et de joie. Allez dans sa paix. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Prends et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus. Te garde dans l'assurance de la vie éternelle, te garde dans l'assurance de son amour et de sa bonté. Il a établi cette alliance avec toi pour te soutenir chaque jour et ne t'abandonnera jamais. Allez dans la joie et dans la paix qu'il vous accorde. Amen.
De son amour, de l'assurance, de la vie éternelle en sa présence et dans sa présence éternelle aujourd'hui avec toi. Il est celui qui t'accorde sa grâce, il est celui qui te bénit et qui ne te lâchera pas. Allez dans sa joie et dans sa paix. Amen. Dans ta foi, te donne l'assurance du pardon de tous tes péchés, te donne l'assurance de l'amour du Christ, de l'amour du Père, celui qui t'a adopté, celui qui te donne une gloire en héritage, celui qui t'accorde sa compagnie chaque jour. Il sera à tes côtés et il ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa joie et dans sa paix. Participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus te garde dans la foi, te garde dans l'assurance du pardon, te garde dans l'assurance de l'amour de ton Dieu, celui qui t'a choisi, celui qui est venu te chercher, celui qui t'a délivré, celui qui t'accorde l'éternité. Il sera avec toi à chaque fois, à chaque jour et face à chaque imprévu. Allez, dans sa paix et sa joie. Amen. Pour le pardon de tous tes péchés. Cette
participation du véritable corps et véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus t'accorde sa grâce et sa bonté, que tu sois assuré du pardon de tous tes péchés et de ton salut. Ton Seigneur t'aime, ton Seigneur te soutient, ton Seigneur est à tes côtés. Allez, dans sa joie et dans sa paix. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Prends et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur. C'est le véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sang qui est répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Que cette participation du véritable corps et du véritable sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus te garde dans la foi, te garde dans l'assurance du pardon de tous tes péchés, te garde dans l'assurance de son amour et de sa bonté envers toi. Il t'a choisi pour que tu fasses partie de son peuple et des héritiers de sa gloire. Il ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa joie et dans sa paix. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Prends et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur. Sang de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sang qui a été répandu sur la croix pour le pardon de tous tes péchés. Et cette participation du véritable corps, du véritable sang de ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ te fortifie dans la foi et te donne cette assurance que tous tes péchés ont été pardonnés, que ton Seigneur a eu miséricorde de toi, compassion de toi et qu'il t'a choisi pour que tu fasses partie de ses héritiers. Il t'accorde sa grâce chaque jour. Et il ne t'abandonnera pas. Allez dans sa joie et dans sa paix. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Prends et mange. C'est le véritable corps de ton Seigneur et Sauveur Jésus. Le corps. Il a donné pour toi sur cette croix. La nouvelle alliance du pardon de tous tes péchés. Que cette participation du véritable corps, du véritable sang de ton Seigneur et Sauveur dans le sacrement te fortifie dans la foi et te donne cette assurance, cette certitude. Ton Dieu t'aime, ton Dieu t'a pardonné de tous tes péchés, ton Dieu t'a fait héritier de sa gloire, ton Dieu t'accompagne et ne t'abandonnera jamais. Allez dans sa joie et dans sa paix. Amen. Thank you.
Prions notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as restauré nos âmes par les dons salutaires du corps et du sang de l'Alpha et l'Oméga, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te demandons au nom de ta miséricorde de fortifier notre foi, de nous accorder l'assurance et la certitude de ta grâce et de ta miséricorde pour chaque jour de nos vies et de faire régner parmi nous un amour fervent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, vit et règne d'éternité en éternité. Amen. Et recevez la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Veuillez vous asseoir. Nous allons conclure notre célébration de ce dimanche avec un dernier cantique et une prière aussi à notre Dieu, une réponse de consécration et d'engagement avec sa volonté. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde, mais surtout en l'aimant lui. 36-30. Bien, nous retrouvons.
dimanche prochain, pour notre quatrième dimanche de l'Avent, pour finir ce temps de l'Avent, dimanche 19 décembre. Rappelez-vous à ceux qui participent de l'initiative des boîtes de Noël solidaires que vous avez jusqu'à dimanche prochain pour les apporter. Elles seront amenées au foyer dans la semaine, dans les jours suivants, avant le 24, puisque le 24, nous avons notre veillée de Noël à 20h avec notre petit réveillon après, pour tous ceux qui veulent rester. Et nous aurons notre culte du 25 décembre, le jour de Noël, et puis dimanche, on les 23 jours de suite. Ça va pas au problème. Non? Puis après, ça sera pour le prochain culte, ce sera le 2 janvier, pour le nouvel an.